Bonsoir. Merci d'être venu en nombre. Bonsoir Arthur Teboul. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'animer cette rencontre pour votre nouveau livre, Arthur Teboul. Je le montre d'entrée de jeu, mais je suis sûre que plein de gens l'ont déjà vu. Le Déversoir, qui est apparu aux éditions Segers. Et je le dis aussi, comme ça se sera fait, ce livre-là, mesdames et messieurs, vous pouvez vous le procurer à la sortie, à la librairie de la Maison de la Poésie. Et Arthur, je crois que vous vous ferez un plaisir de le dédicacer. Tout à fait. C'est bien si vous êtes affirmatif. Ouais, je consens. Peut-être seriez-vous d'accord aussi pour dire qu'il n'y a pas meilleur endroit que la Maison de la Poésie pour présenter ce livre de poèmes. Voilà encore une manière de consentir, quoi. Tout Très à fait. Oui, oui. Et aussi d'ailleurs le cabinet de poésie que vous avez ouvert et nous allons en parler tout à l'heure. Vous êtes venu à la musique par la littérature, Arthur Teboul. Nous vous connaissions jusqu'alors comme l'auteur et le chanteur du groupe de rock Feu Chatterton, que vous avez baptisé ainsi en hommage au poète romantique anglais Thomas Chatterton. Oui, aussi, je consens. Très bien, parfait. Pour le moment, tout va bien. Et nous découvrons donc un autre de vos talents avec ce recueil qui compte très exactement 98 poèmes, en prose pour la plupart, et qui d'ailleurs le plus souvent tiennent sur le recto d'une seule page. Ces poèmes, vous les qualifiez de minutes, c'est très amusant, parce que d'habitude, je suis sûre que dans la salle, on a plutôt l'habitude d'employer cette expression pour dire qu'on va se faire une clé à la minute, ou un steak à la minute. Et si vous les appelez ainsi, c'est parce que vous dites dans votre livre que vous les écrivez à toute vitesse, selon le principe de l'écriture automatique, qui est cher aux poètes surréalistes des années 20, mais je ne sais pas si vous le saviez vous, mais moi je l'ignorais, qui existait également au Moyen-Âge, comme vous le précisé, et qu'on appelait alors fatrasie. Ma question arrive enfin, merci de votre patience. Est-ce que c'est le cas vraiment, ou est-ce que c'est une histoire que vous nous racontez, ces poèmes? Est-ce qu'il ne vous faut seulement qu'une, deux ou trois minutes pour les écrire? Oh, bah, parfois cinq. Ah, ça va. Mais oui, en fait, pour une raison très simple, c'est que la plupart du temps, quand j'écris d'autres choses que ces poèmes-là, je mets beaucoup de temps. Parfois pour 20 lignes d'une chanson, un an pour arriver au bout. Donc ça me soulage de pouvoir avoir cette autre activité rapide qui permet de trouver une vérité juste dans l'instant. Et pourquoi je les écris si vite? C'est parce qu'ils répondent au principe de l'écriture automatique, c'est-à-dire d'accepter de coucher sur le papier ce qui nous passe par la tête. Et pour accepter ça, il faut passer par quelques barrières, qui sont la barrière de l'amour-propre, la conscience de soi, l'envie de plaire, et le lecteur qui est en nous. Et donc, quand on écrit vite, eh bien, on étourdit un peu toutes ces choses-là. Et ça nous laisse comme ça, par effraction, un instant de pure inconscience où on va au bout de ce qu'on a dans la tête. Et c'est agréable. Dans le texte liminaire qui introduit votre livre, vous écrivez, je lis, « La poésie est un contre-pouvoir. Ce n'est pas anodin qu'elle soit un secret si bien gardé. » Emparons-nous de ce feu. C'était pour servir de programme, je proposerais que nous emparions tous du feu ce soir. Oui, mais mettons des gants ineffugés. Ou pas, hein? Mettons des gants ineffugés. Vous comparez très joliment, Arthur Teboul, l'écriture automatique à une gymnastique permettant, dites-vous, de faire prendre l'air à l'esprit de sérieux qui habite l'homme. J'aime beaucoup cette phrase. Donc, j'avais prévu de vous demander, c'était très logique, si l'écriture automatique était pour vous une hygiène de vie. Mais je suis tombée sur un poème de la page 109 qui m'a littéralement découragée de vous poser cette question. Vous allez comprendre pourquoi, mesdames et messieurs. Donc, je vais vous lire ce poème qui s'intitule donc « Hygiène de vie ». Voilà, je vais pas mettre une minute. « Grosse gousse d'ail pour éloigner les prédateurs, c'est le seul remède que j'ai trouvé pour qu'on me laisse tranquille. Ce soir, j'espère que vous êtes venus les poches vides. » Bah non, j'ai quelques chewing-gums justement pour ne pas vous repousser. La gousse d'ail, normalement, c'est pour faire peur aux vampires. Ouais, c'est vrai que c'est aussi ce qui est assez confortable avec l'écriture automatique, c'est qu'on n'a pas à se justifier de ce qu'on écrit. Je ne vous demande pas de justification d'ailleurs. Alors, cette gousse d'ail est apparue comme ça. Peut-être avais-je en face de moi quelques ennemis. Et donc, j'ai tenté de les repousser gentiment. Mais comme là, nous sommes qu'avec des amis... Vous n'avez pas pris de gousse d'ail? Non, je suis venu avec des chewing-gums.
Très bien. Alors, André Breton a expliqué la méthode de l'écriture automatique dans son manifeste du surréalisme, paru en 1924. Je donne des dates pour faire un petit peu sérieux. Et vous, presque 100 ans plus tard, vous livrez votre propre méthode. Bon, j'avoue qu'elle m'a plutôt plus enthousiasmée que la sienne. Auriez-vous la gentillesse de nous expliquer comment faire pour composer un poème minute selon le principe de l'écriture automatique au cas où on voulait faire comme vous? Bien sûr. Alors, je me réfère tout à fait à la méthode explicitée par André Breton et les surréalistes. Et André Breton, dans son manifeste, le dit très simplement, il dit écrire sous la pure dictée de la pensée. Donc on se demande comment faire parfois. Eh bien, il faut se lancer, quoi. Il faut se lancer. Et il explique que la première phrase arrive très souvent seule, d'elle-même, et que c'est ensuite prolongé ce qui vient de commencer, qui est délicat. Alors il propose, par exemple, d'ajouter quand même dans cette forme très spontanée d'écriture un peu de volonté. C'est ça qui est particulier avec l'écriture automatique. C'est quand même une danse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ajouter un petit peu de volonté alors que même on s'en croit dépossédé. C'est une orientation. Alors, par exemple, ça peut être, eh bien, je ne sais pas ce qui va venir si je commençais par la lettre L, par exemple. Libellule, mange, en chemin. Moi, j'avais lama. Lama. Lama crash. Ouais, c'est très simple. C'est une manière de commencer. Après, c'est une chose qui reste à creuser, c'est vrai, de savoir. Il y a un mystère quand même au fond. Savoir pourquoi parfois on ose. Je vous vois pas bien. on ose franchir ce cap, quoi, y aller. Pour l'avoir fait maintenant depuis 7 bonnes années et récemment à haute dose, dans le cabinet plus de 40 fois par jour, j'ai constaté à quel point vraiment c'était libérateur. Pas seulement pour ce qu'on produit, mais juste dans cette envie, possibilité d'accepter la vie comme elle vient. Quoi. Bon, c'est un peu impensif, mais on résiste souvent à la matière, mais aux choses qui nous arrivent. Cette pratique, quand elle est constante, répétée, eh ben, elle nous enjoint, pas seulement quand on écrit, mais le reste du temps aussi, à se satisfaire de ce qui vient, et à se laisser traverser pour voir comment soit on pourrait s'en servir, soit simplement comment on pourrait tourner, quoi. Donc c'est pour ça que c'est une forme d'écriture à la fois très spontanée, mais qu'est-ce que ça veut dire au fond, et en même temps un peu orientée, ouais, guidée. Vous racontez que la poésie est entrée dans votre vie d'adolescent comme une déflagration lorsque vous aviez 15 ans. C'est fort ce mot-là, la déflagration. Qu'est-ce qui vous a décidé à cet âge-là, à prêter le serment de consacrer votre vie à la poésie, puisque c'est ainsi que vous le précisez? C'est a posteriori que je m'en suis rendu compte. D'ailleurs, c'est sans doute en écrivant à ce moment-là mon premier livre, mon premier recueil de poèmes, cette préface qui concentre au fond 15 années, voire plus, de pratique, et d'assumer enfin de les publier, peut-être. D'assumer que ça pourrait peut-être intéresser d'autres personnes, que j'ai réalisé à quel point ça avait orienté ma vie, ma manière de vivre. Donc c'est pas théorique, c'est pas un moment où je me suis dit tiens, ça va être comme ça. Simplement, quand on découvre une chose qu'on se met à aimer et qu'on pressent qu'on va l'aimer pour toujours, forcément c'est un choc. Pourquoi on se met à l'aimer, on ne sait pas l'expliquer. Peut-être que le frisson est venu de sentir qu'il y avait une possibilité dans ce monde de toujours avoir une porte de sortie, une récréation, un ailleurs, un outil critique pour se placer à côté, faire un pas de côté. Voilà, très vite, sans le comprendre et le reconnaître, j'ai pressenti que dans les mots des poètes, dans cette manière de les faire s'entrechoquer, cette manière nouvelle de les entendre, de les lier, qui n'est pas la langue du quotidien, qui n'est pas la langue de l'ordre et du contre-ordre, de l'utile, que quelque chose s'éveillait dans ce monde, parce que nommer, c'est déjà s'offrir la possibilité d'une vision, c'est déjà une vision qui naît,
Alors, le lama dont vous parliez, tout le monde, sans doute. On n'utilisait pas trop mon lama quand même. Oh, mais tout le monde, sans doute, au moment où on l'a dit, l'a vu. Donc, ce lama qui est sorti de nulle part existe déjà un peu. Alors, là, c'est un lama, mais parfois, ce sont des vomissures sur une coque. Parfois, c'est quelqu'un qui dit quelque chose avec la tête et qui pense trop chose avec son cœur. Bon. On pourrait parler de la genèse de ce livre. Tout commence, certes, quand vous aviez 15 ans, mais ce livre-là, précisément, sa genèse remonte à janvier 2016. Mmh. Et vous vous souvenez très précisément de la date. C'est le 12 janvier 2016. J'ignore si vous vous souvenez également de l'heure, mais le numéro de la ligne de métro sur laquelle vous vous trouviez, vous en souvenez aussi. Il s'agit de la ligne 11. Bon, la ligne 11, les Parisiens savent que c'est la marron. Et peut-être que certains et certaines, d'ailleurs, dans la salle, l'ont emprunté ce soir pour se rendre à la Maison de la Poésie, car il y conduit. Voilà. Qu'est-ce qu'il s'est passé, Arthur Teboul, le 12 janvier 2016, sur la ligne 11 du métro ? Alors, rien de particulièrement spectaculaire, je vais quand même vous le dire. Oui, parce que là, je fais un petit teasing, en fait. Non, mais c'est vrai que souvent, les tremblements les plus intimes n'ont rien de spectaculaire. Non, ils sont cachés. Des histoires pour soi, des épiphanies, quoi. Eh bien, c'est la première fois, simplement, que j'ai écrit un poème automatique, c'est-à-dire que j'ai franchi le pas de cette pratique que je connaissais depuis longtemps, parce que les surréalistes me fascinent et m'attirent depuis l'adolescence, au moment où j'ai découvert d'autres poètes plus romantiques, ou baroques, ou virulents, ou je sais pas, lyriques, les dandys, etc. Baudelaire, Barbey d'Aurevilly, Wilde, etc. Mais ils m'attirent depuis très longtemps pour leur capacité à écrire des règles de jeu, à jouer très sérieusement. Et ça, c'est une chose que j'ai toujours adorée, parce que quand on est enfant, on a envie de ça, mais on n'a pas les moyens de ses ambitions. Et puis, quand on commence à avoir les moyens, peut-être qu'on a peur de... Donc là, vous êtes sur jouer. Votre strapontin, le 12 janvier 2016. Je dois écrire un album. Ça me coûte beaucoup. J'ai cette angoisse d'écrire, de mesurer plus beau de moi-même. Comment je vais réussir à écrire des choses qui soient à la fois profondes et légères, subtiles et bien cadencées. Bon. J'angoisse. Là, on se représente bien la scène, remarquez, c'est bien. Non, en plus, quand on a déjà un fait d'armes, là, c'était notre premier album, j'en avais été satisfait, il avait touché le public, on commence à être enchaîné, quoi, au plaire. Alors, c'est délicieux, mais ça peut devenir vraiment une prison. C'est Baudelaire qui dit « Déplaire est un plaisir aristocratique ». J'ai mis longtemps à vraiment comprendre ce que ça voulait dire. Et maintenant, c'est bon, vous l'avez compris. Bah, depuis que je suis aristocrate. Donc, le strapontin. Oui, le strapontin, bien sûr. Je me permets de revenir au strapontin. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous sortez un petit cahier, qu'est-ce que vous faites ? Oui, j'ai plein de carnets dans les poches ou des feuilles volantes. C'est comme ça que j'écris la plupart du temps. Et donc, je me dis, bon, allez. Mais j'avais quand même envie de produire, c'est ça. J'étais poussé par une injonction que j'étais formulée moi-même, mais... aussi sans doute poussé par le calendrier des maisons de disques et tout ça. Bon, on est conscient quand même qu'il faut sortir des choses, des moments réguliers pour exister dans ce monde médiatique et cette industrie culturelle. Donc je voulais produire. Et dans ces moments-là, ce qui est très désagréable pour quelqu'un qui aime écrire et qui se prétend poète, même s'il le cache, c'est de sentir qu'on devient prédateur. Cette angoisse de ne rien produire nous pousse à regarder et à vivre toutes les situations de la vie comme si c'était une matière à écrire, donc pour s'en servir. Alors on ne vit plus vraiment le... Il y a déjà un biais dans notre manière de vivre l'instant. Ah, qu'est-ce que je peux faire de cette situation ? Ça pourrait m'aider à produire un verre. On devient comme ça obsédé, mais d'une manière assez stérile, quoi, fermée sur soi-même. Et j'étais sur le strapontin. Sur le point de devenir un prédateur ? Non, je l'étais depuis longtemps déjà. Ouais. Ou de devenir définitivement. Ça faisait des mois que je voyais la vie comme une proie, quoi. Une chose à saisir. C'est délicat hein, quand on essaye d'écrire. On espère ces moments d'élan, d'inspiration. C'est grisant quand ça arrive. Mais si on n'attend que ça, on n'attend plus. Et alors on se crispe. Alors j'étais sur le strapontin. Oui. Et j'ai sorti une feuille, je me suis dit, écris ce qui te passe par la tête. Un crayon aussi, noirci, un stylo. Oui. Stylo big comme celui-ci, par exemple.
Et j'avais le sentiment que noircir bêtement la page me soulagerait d'une chose. Déjà de voir quoi, quelque chose de produit. Et c'est allé plus loin, ça qui était beau, c'est que j'ai écrit juste pour avoir le sentiment d'écrire. Et en fait, en écrivant ce qui me passait par la tête, j'ai senti, dans cet état étrange, un peu de demi-conscience, que, sans trop savoir pourquoi, ça me soulageait. Quelque part, ça me faisait du bien. Mais tout de suite, j'ai été prédateur à nouveau. Je me suis dit, tiens, comment je vais me servir de cette chose qui est sortie un peu chaotiquement de mon esprit, qui est là, super, j'ai quelque chose devant moi, pour des chansons. Alors, j'étais en train de regarder mon texte. Bon, non. Une idée, une phrase, une forme. Non, rien du tout. Et en fait, ça m'a fait du bien que le texte ça ne en soit rien. Me résiste. Ouais, ouais, bien sûr, parce qu'il était clos sur lui-même, et donc, il m'a aidé à accepter aussi cet état de fait que on veut très souvent un résultat rapide, prompt, ou savoir pourquoi on fait les choses. Voilà. Donc là, en fait, j'essaie de vous expliquer pourquoi je le fais, mais je le savais pas vraiment. Et je pense que c'est bon de le dire aussi. Oui. Parfois, on est poussé par une nécessité. Et quelques années plus tard, nous en avons donc 98. Au moins. Au moins. En tout cas, dans ce recueil, vous les appelez des instantanés. Vous dites comme une photographie ou comme une soupe. J'aurais aimé savoir si la forme, vous la décidiez avant de vous asseoir sur le strapontin. Bon, là, vous n'aviez rien décidé encore. Mais en tout cas, si vous la décidiez avant de vous lancer, est-ce que vous décidez avant de vous lancer d'écrire en prose, d'écrire en vers, ou finalement, si la forme, elle s'invitait, malgré vous, à votre insu, au cours d'écriture? Oui, oui, bien, oui, elle s'invite. C'est ce qui me plaît, hein. C'est d'arriver et de ne pas savoir ce qui va se produire. Donc, si je commence à avoir un plan d'attaque, alors je bascule dans une autre forme d'écriture, parce que je parlais des soupes instantanées. Nous sommes tous au courant qu'il y a d'autres types de soupes. C'est vrai. Et elles sont tout aussi savoureuses. Enfin, si elles sont bien faites, mais... Parfois, elles sont maison, c'est un peu le cas de vos poèmes. Voilà. Donc, c'est un poème maison instantané minute, soupe. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est pas très flatteur de comparer ses propres poèmes à de la soupe, mais... Une fois que vous êtes lancé, même si vous ne l'avez pas choisi, ouais, ce que je trouverais intéressant que vous nous expliquiez, qu'est-ce que la prose peut vous offrir de différent, ou de plus d'ailleurs, que les vers et vice-versa? Oui, alors dans ce livre, vous trouverez assez peu de poèmes versifiés, pour une raison simple, qui est la même que celle de la vitesse d'exécution. C'est que j'essaye simplement d'enlever les barrières qui sont entre la feuille et l'esprit. Et le vers peut en être un, parce que ça dépend pour qui, mais pour moi, il demande déjà un degré de réflexion, de sophistication. Voilà. Et donc, la prose me permet simplement d'écrire vite, tout de suite, ce qui traverse l'esprit. Et c'est ce qui m'intéresse dans cette démarche. C'est d'essayer vraiment le plus possible de coller à ce qui nous traverse. Et parfois, c'est décevant, parce qu'on commence un poème en vers, en prose. Et ce poème-là, on ne sait pas pourquoi, le sujet nous plaît, c'est assez spirituel, le rythme est bon. Et puis là, il y a Gérard qui arrive. Ou le lama, ou... Ouais, la main, c'est sympa quand même. Ouais. Il y a des choses plus... Mais Gérard, amusant. C'est plus compliqué. Voilà. Il vient, j'ai pas envie de l'accueillir. Enfin, j'ai rien contre. Hein, Parce qu'il y a sûrement des gens qui s'appellent Gérard. Genre, c'est ça, c'est très gênant finalement. Je connais des Gérard très sympathiques. Oui. J'ai moi-même un ami. mais c'est un bel exercice jouissif d'accepter Gérard. Enfin, pour une raison simple, déjà. C'est qu'une fois que Gérard est entré, on ne sait pas ce qui vient ensuite. Non. Et ça, c'est merveilleux parce que ça... Mais surtout, c'est pas ça, c'est que si on refusait Gérard à cet instant, très difficile de savoir pourquoi on accepte. Gérard, au revoir. Oh, un camion poubelle, une crème glacée. Ah, donc il faut tout accepter. Et là, à ce moment-là, on sait plus pourquoi on accepte cette chose qui traverse plutôt qu'une autre. Bon, je sais pas, je vous recommande d'essayer. Ce qui fait la force de votre démarche, c'est qu'elle ne se résume pas à cette seule pratique solitaire d'écriture que vous venez de décrire, même assez étrangement, mais de décrire tout de même. Vous l'avez transformé, Arthur Teboul, en un jeu collectif.
On a commencé à en parler tout à l'heure. Donc, le déversoir, pour récapituler, c'est à la fois le titre de ce recueil, mais c'est aussi le nom du cabinet de poésie que vous avez ouvert en mars dernier, dans le premier arrondissement de Paris. Je donne l'adresse hyper précise, alors qu'en fait, plus personne ne peut y aller parce que maintenant, il est fermé. C'est dans le troisième. C'est dans le troisième, moi, je me suis loupée. C'est dans le troisième. Et comment vous est venue cette idée ? Comment elle est née dans votre tête, cette aventure qui vous a conduit, vous le disiez tout à l'heure, à écrire des poèmes pour 250 personnes devant eux, rien que pour eux, à la minute ? Ça m'est venu pendant le premier confinement. Donc ça faisait déjà quelques années que je pratiquais cette écriture qui ne me servait à rien. Si c'était vous. C'est peut-être sans doute en réaction à ce moment de vie où on était circonscrit à nos espaces de vie les plus étroits et les moins reliés aux autres. Et donc, un peu nourri par les surréalistes et leur envie de jouer très sérieusement, je ne sais pas, c'est une image qui est venue, quoi. J'étais en train d'écrire des poèmes automatiques comme ça quotidiennement pendant le confinement. Et je me suis vu à un bureau avec une sorte de, je sais pas, de grande bibliothèque derrière, comme un atelier de cordonnier, quoi. Ben, je m'appelle Amélie Cordonnier en même temps. Voilà. Enfin, c'est parfait. C'est pour ça. Et j'ai imaginé simplement ce cabinet au coin d'une rue et où je pourrais, et puisque j'écrivais ces textes assez vite, et ben je pourrais les écrire pour quelqu'un. On va à la pause déjeuner se refaire un double des clés ou une semelle. Il pourrait y avoir comme ça. Hein. Ou une petite coupe chez le coiffeur. C'est un peu plus long. Ça dépend pour qui, mais... Oui, c'est ça. Aussi, sans doute, parce que je constatais que je me plaignais beaucoup. Ah. Je sais pas, et ça, c'est stérile, quoi. Je plaignais beaucoup que on manque de poésie au quotidien, dans cette vie, etc. Bon, il faut agir, quoi. Oui. Voilà, alors, ça sert à rien de se complaire là-dedans. Parce que soit ça... Ça peut aussi dénoter une forme d'orgueil, de sentir un peu singulier, soit de cultiver une forme de poésie, pas bon, et ou bien de juste aimer cette litanie, quoi. Alors je me suis dit que j'allais oser le faire, j'allais tenter ça. Et là, j'essayais encore une fois de l'expliquer, mais au fond, il n'y avait pas de sens. Hein. C'est une nécessité qui nous guide. Je pense qu'on a très souvent tous des éclairs qui nous passe par le ventre. Simplement, c'est rare qu'on leur accorde de l'importance. Et encore plus rare quand on n'arrive pas à les justifier. Or, je crois au fond que c'est une fonction du poète, fonction sociale du poète. En tout cas, c'est ce que les poètes, à leur contact, dans leurs mots et leurs livres, m'ont appris, transmis, cette contagion, et ben, d'être plus assuré, plus confiant dans l'écoute de ces moments où on perçoit une nécessité profonde qui n'a pas de sens. Et bien, si on les suit, parfois c'est lourd de conséquences, mais si on écoute ça, on se rend compte très souvent, longtemps après, à quel point c'est bon, ça a changé nos vies. Je le dis parce que quand j'ai eu cette idée de cabinet, là, je suis très assuré, je l'ai fait. Oui. Je l'ai fait. 250 fois. Je l'ai fait et il existe, il y a des murs et ça, ça me comble d'une. Vous aviez une petite plaque confiance. Même, je crois. Comme oui, un coiffeur ou un cordonnier. Ah, ou... je me prive pas de quelques plaisirs. Alors, hein. Qu'est-ce qui avait marqué sur votre plaque d'ailleurs ? Arthur Teboul, déverseur, consultation, rendez-vous en ligne, le numéro. J'ai un tampon aussi. Ça, c'est... Vous avez tout. Mais d'ailleurs, ça, vraiment, ça coûte une vingtaine d'euros. Et ça change tout, un tampon ? Je vous conseille vraiment à tous de vous faire... Ah, c'est très, très sérieux. Ouais. Faites-vous un tampon. C'est vrai. D'habitude, on dit qu'on s'en tamponne, mais c'est... Mais non, je pense qu'il y a plein de petites frustrations qui s'évacueront là-dedans. Vous tamponnez tout. Il y a des courriers, des... Mais avant, pensez un peu votre logo, tout ça. Il ressemble à quoi, votre logo, vous ? Il est assez simple. En fait, il reprend schématiquement la vitrine du cabinet. Donc, la vitrine... Donc, en fait, c'est deux rectangles, parce que... La vitrine est un grand rectangle avec une barre et une porte. Voilà, donc sur un double rectangle, a écrit le déversoir, fois une minute. C'est assez joli, je l'imaginais depuis le départ comme ça, un truc assez géométrique. Comme ça, on peut le mettre au coin d'une enveloppe, ça ressemble à un timbre, tout ça. Mais vous pouvez faire des cercles, vous pouvez faire toutes sortes de choses. Voilà, c'est plaisir enfantin, parce que oui, on parle très sérieusement, mais
je sais pas, je sentais que ça allait être juste fun, cool, amusant de se retrouver en face de gens. Et de, est-ce que j'allais sécher, qu'est-ce qui allait se passer? Je peux faire des poèmes à la minute, voilà. Ça fait 15 ans, 20 ans que j'écris, j'ai une pratique profonde qui devient un savoir-faire, qui me permet peut-être une certaine dextérité dans ce type d'exercice. Et aussi, peut-être qui fait que je me débrouille pas trop mal parce que si voilà, j'ai une structure de pensée qui passe par, probablement par l'écrit, bon, je me suis dit, j'y vais, quoi, c'est sympa. Et, mais sans oublier, j'avais envie de m'amuser, quoi, de faire un truc d'enfant. Ce qui a été très agréable quand le lieu a existé, c'est de réaliser, parce que parfois on a des grandes idées comme ça, mais en fait c'est juste pour se faire un château et son propre royaume, et d'être le petit roi. Donc c'est sympa, mais on a du mal à le défendre. Et là, ce qui était très très agréable, c'est que il y a le tampon, il y a la plaque SWAT, mais... Il y avait des gens dans votre château, quoi. Non, plus que ça. Ah. Oui, parce que des gens dans mon château, ça pourrait être des vassaux. Ah, pas tout de suite, c'est votre folie des grands. Non, mais justement, c'est très important. C'est que... je pressentais quand même, et ça je le disais à l'époque, chose. Que ça changerait profondément ma vie, que ces rencontres allaient être bouleversantes, pour moi dans un premier temps, mais ce qui était très très puissant et jouissif. C'est quand les rares moments dans la vie où on a un pressentiment, on a une conviction et elle devient une vérité. Et en effet, il se passe des choses bouleversantes dans ce cabinet, des choses très belles, parce que c'était des moments simples, de quelques minutes de recueillement, où quelqu'un attend un cadeau à soi, un poème à soi. Donc, quelle que soit la teneur du poème, dans ce monde dans lequel on vit, où de s'accorder quelques minutes de silence, d'introspection, pendant que quelqu'un vous prépare un petit cadeau. Merveilleux. C'est rare. Et donc, vous concocte un petit poème. Oui, c'est juste, c'est rare. C'est pas énorme, c'est rien, c'est une petite halte, un interstice dans ce monde-là. C'est pas... C'est une toute petite chose. Quelque chose m'a interpellée dans votre démarche. Vous citez Christian Bobin dans votre livre, à qui vous dédiez d'ailleurs le poème, à Bobin, qui écrit dans Le Plâtrier Siffleur, je lis, « Le monde est rempli de visions qui attendent des yeux. Les présences sont là, mais ce qui manque, ce sont nos yeux. » Alors, j'ai débusqué une sorte de paradoxe, pardon. Enfin, bien que la poésie soit une vision, vous demandez aux gens de ne pas vous regarder lorsque vous écrivez et de détourner les yeux. Alors, expliquez-nous pourquoi. Voilà, c'est pour une raison assez pratique. C'est quand même le temps de l'écriture automatique demande d'entrer dans un certain état de décontraction, de liberté, de méditation. Et le fait d'avoir un regard qui se pose sur la feuille pendant que le texte est en train de se faire peut être déstabilisant. Oui. Donc voilà, c'est une raison assez pratique. Après, je pourrais chercher des choses malines à dire. Oui, mais non. Ne faites pas le mal. Non, mais ça pourrait marcher. Le monde est plein de présences qui attendent des yeux. Oui, et les présences sont là. Ce qui manque, c'est nos yeux. Mais ce qu'il faut regarder, c'est pas le mot. Non. Et ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on parle. Le poème est une forme concentrée d'un instant poétique, d'un moment poétique. Mais en fait, c'est un déclencheur ou un révélateur plus concentré, simplement plus quintessentié de la poésie du monde. Donc, regarder ailleurs, ça peut être regarder le tableau qui était sur le mur du cabinet. Ça peut être regardé par la fenêtre, si on veut, le plafond, le ciel, en soi. Regarder n'est pas forcément regarder ce qui est en train de se faire pour soi. Et c'est même pas forcément avec les yeux. C'est un état d'attention au monde, d'égard, d'alerte. On peut regarder les yeux fermés, bien sûr. Ouais, souvent. Vous dites, le poète est cuit. C'est une phrase qui sert de titre à votre cinquième poème, pardon. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous utilisez souvent la métaphore de la cuisine, remarquez, avec le concentré, tout ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le poète est cuit? Je ne sais pas, je ne suis pas responsable. C'est venu comme ça. Bon, c'est ce qui est chouette aussi, quand on écrit de cette façon. Mais je le répète, ce n'est pas du tout l'unique... Enfin, vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir. Mais je défends cette pratique parmi d'autres. Parmi d'autres. Elle est libératrice pour cette raison-là aussi, que c'est comme se tirer les cartes à soi-même, vraiment. Il y a quelque chose qu'on laisse passer de nous-mêmes, parfois qui, avec la conscience,
serait retenu. Serait... Parce qu'il y a des choses qui sont dures à accepter, il y a des choses qui sont dures à se dire à soi-même. Et donc, là, ça vient, et après, je regarde, oh, c'est bizarre quand même, tous ces oiseaux qui traversent le recueil. Le poète est cuit, d'accord. Donc, je ne peux rien vous expliquer. Juste vous dire que j'ai bien aimé, quand c'était fini, de voir qu'il était cuit comme un pot de terre. Enfin, c'est comme ça que je l'ai eu en tête. Il était cuit, mais pas foutu. Oui, c'est bien. Ouais. Il y a une autre métaphore qui traverse aussi tout le livre, c'est celle de l'eau. On parle du déversoir. Donc, pour la filer, j'essaye, moi, d'être un peu à la hauteur. Je voulais vous demander s'il existait des ponts entre l'écriture... Vous appréciez ma question. Entre l'écriture d'une chanson et l'écriture d'un poème. Ou est-ce qu'au fond, pour vous, c'était deux exercices radicalement différents? Ça dépend du type de poème qu'on écrit. Je veux dire, il y a par exemple de merveilleux poèmes de Louis Aragon qui ont fait de très belles chansons. Que vous chantez d'ailleurs. Ça arrive. Ça arrive. donc, il y a des ponts, évident. Mais cette forme-là qui est très souvent en prose... Ça, c'est pas possible. C'est possible, mais pas pour moi. Est-ce que vous avez l'impression que, ça vous a, que la poésie, enfin, en tout cas la poésie en général, pas forcément dans l'écriture automatique, mais est-ce qu'elle va vous offrir une plus grande liberté ou une liberté différente, du moins, que la chanson? Oui, cet exercice-là offre une très très grande liberté. Là, je le vois, on est en résidence avec le groupe Feu Chatterton. Au musée du Louvre, ouais. On a une salle dans les sous-sols. Je vois déjà ça, je le constate. De toute façon, l'écriture est un chemin de vie, si on n'a pas décidé, mais si c'est une nécessité pour soi, et si c'est un métier, c'est un métier, c'est mon métier, finalement. Avec les chansons, c'est pareil. Ce qui est beau, c'est que ça nous accompagne, quels que soient les bouleversements de nos vies, quelles que soient les manières qu'on a de voir le monde. Et donc, à chaque avancée, chaque nouveau... motif, chaque nouvelle forme, chaque nouvelle chanson, chaque nouveau texte nous permet d'avancer dans la forêt, quoi. La lisière est repoussée, on explore à nouveau. Donc forcément, oui, il y a des vases communicants là maintenant dans ma manière d'écrire des chansons, mais les poèmes ici, je ne vous les vois pas comme matière à chanson. Vous ne planterez pas un poème que vous avez écrit avec l'écriture automatique? C'est possible. Par exemple, au musée du Louvre, on a organisé des nocturnes. Oui. On a invité d'autres artistes à se produire, notamment un soir, le trio Xenakis, qui est un trio de musique contemporaine, répétitive et de percussion. Et un des membres du trio a composé des pièces musicales autour de quelques poèmes du livre. Et j'ai ensuite scandé, d'une certaine manière, mes textes sur ces pièces musicales. Alors, est-ce que c'est une chanson, est-ce que c'est autre chose? Je sais pas, donc on n'est jamais à l'abri, quoi. Puisqu'on parle du musée du Louvre, une question que je me suis posée, est-ce que la présence des peintures, de la sculpture, a une incidence sur votre écriture? Autrement dit, quand on a la chance d'être au musée du Louvre pour composer des chansons, est-ce qu'il se passe quelque chose de particulier? Oui, sans doute, mais c'est jamais très direct. Souvent, les choses infusent et on les digère, surtout quand c'est le Louvre, c'est... du temps pour digérer. Là, j'ai l'impression, par exemple, que ce qui nous inspire beaucoup plus directement, c'est ce contraste très amusant entre les salles pleines de virtuosité, de beauté, de grandiose et de cérémonial, et toutes les coulisses avec le personnel dont on fait partie maintenant, les téléphones avec des numéros à composer pour prévenir le PC sécurité dès qu'on entre dans une pièce, les visiteurs qui sont entre 15 et 30 000 par jour, qui se retrouvent sous la pyramide comme dans un immense hall de gare en parlant toutes les langues. Là, moi, c'est plus ça qui m'intéresse que les tableaux en ce moment. Après, encore une fois, et ça, c'est quelque chose qui est commun, en effet, un pont entre la pratique de cette écriture et la pratique des chansons, c'est quand même d'avancer à tâtons, quoi. C'est à chaque fois un saut dans l'inconnu. C'est ce qui est très excitant et un peu angoissant aussi. On ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas ce qu'on va faire. On peut faire semblant qu'on sait. A posteriori, on peut raconter une histoire. C'est assez agréable d'agencer les cartes qu'on a tirées
pour se dire qu'il y avait un chemin et que ça racontait une histoire. Ça, on aime bien le faire, mais au fond, on ne sait pas ce qu'on fait. J'ai envie de m'adresser à celles et ceux qui peut-être n'ont pas encore lu votre livre, leur donner envie de vous le faire dédicacer à la fin. Vous verrez, quand vous aurez lu ce recueil, le monde va vous apparaître sous un nouveau jour. Quand vous aurez lu le poème « Voix D », vous n'attendrez plus jamais votre train, votre métro, votre RER, que sais-je, avec la même impatience. Grâce à « J'aimerais bien revenir en arrière », vous ne regarderez plus une porte de la même façon. J'ai fait l'expérience depuis que je vous ai lu. Ah, ça marche ? Oui, ça marche très bien. Et vous marcherez différemment dans les rues lorsque vous aurez lu « Boulevard vide ». Dans l'arrière-cour du pavillon, à Arthur Teboul, vous avez cette jolie expression « réveiller les mots endormis ». Et c'est ce que vous faites au sens propre, comme au figuré d'ailleurs, dans le poème intitulé « Le pied du lit ». Alors, il m'a fait penser à la chanson de Barbara. Je pense que je ne suis pas la seule dans cette salle. Vous savez, c'est la chanson intitulée « Les insomnies », dans laquelle elle envoie les moutons qui sautent dans son lit brouter ailleurs. Et j'aurais bien aimé que vous nous lisiez le poème, si vous étiez d'accord. Bien sûr. Alors. Le pied du lit. Le pied du lit. Très bien. C'est page 45. Merci. Une chèvre trébuche au pied du lit. Tous les moutons avaient déjà été comptés. Un soulier trouve son pied, l'autre emprunté par un bélier. L'autre soulier, pas le pied. Que vous béliez serait un luxe, dit le berger à ses moutons déjà comptés. Le sommeil, ainsi, travaillait à dessiner l'astre intérieur qui habitait la tête du rêveur. Chèvre, mouton bêlant, bélier, et un soulier autour d'un pied, à ajouter au premier, pied, celui du lit. C'est bien. C'est le pied du lit. Merci pour cette lecture. Au lieu de me dire que vous jouez avec les mots, si vous voulez, comme ça, nous avons une preuve directe. C'était l'intérêt de cette lecture. Et donc, vous n'aimez rien tant que détourner les expressions. On vient de l'entendre. Moi, j'aime beaucoup cette expression. Vous vous remarquez dans un poème qui s'appelle « L'aquarium », Arthur Teboul s'interroge sur l'expression « noyer le poisson ». Vous faites aussi attention à cette expression qu'on emploie, c'est vrai, sans plus guère y faire attention une seule seconde, « projeter ses peurs ». Vous proposez de projeter nos peurs comme un cinéphile. Je trouve ça très joli. Et puis, vous vous demandez, quand on parle de poser un diagnostic, vous vous demandez « ok, mais où quoi ?» Vous posez le diagnostic. Est-ce que c'est une manière pour vous... Oui, j'avais oublié. Voilà, ça vous fait rire. Est-ce que cette façon de procéder, c'est une manière pour vous de court-circuiter en quelque sorte la routine du langage ? Oui, je pense que c'est un bon résumé. Une des choses qui me plaît très très fort dans la poésie, dans le poème. Parce que souvent, on va parler de l'enchantement, de l'émerveillement, de l'enthousiasme que la poésie procure. Mais en disant ça, on oublie qu'elle a aussi une très grande force d'élucidation. Elle rend lucide. Et lucide, c'est aussi sur les peurs, les angoisses. Elle accompagne aussi dans l'ombre, quoi. Pas seulement dans cette lumière. En tout cas, c'est vrai que parfois, il y a ce discours un peu. Elle vient enchanter nos vies. Oui, mais d'un enchantement qui peut être aussi un sortilège, un charme, sous tous ses sens. Et j'en viens à la question. Le cœur, c'est ça, c'est de court-circuiter la routine. Dans ces moments-là, deux réactions s'offrent à nous, hein, pour résumer, quoi. Soit une joie, soit un doute. Et ça, c'est très, très fort. C'est ce qui me touche vraiment, vraiment très fort dans les poèmes, quoi. Parce qu'après, ça doit être très douloureux d'essayer de questionner cette routine à chaque seconde. Certains poètes l'ont fait, certains écrivains, qui en sont sans doute morts. J'en permets. Non, mais en plus, je le dis très honnêtement, je pense que ça peut être un sacerdoce, la poésie, une manière de vivre ce monde, une nécessité, sans que ce soit forcément, je le crois, ce sacrifice qui devient aussi une posture de chercher à chaque instant à rafraîchir le lieu commun, à sortir de la routine du quotidien. Non, c'est beau aussi d'accepter ça. J'aime beaucoup le mot lieu commun. J'aime beaucoup cette expression. Et je trouve que ça dit beaucoup de choses. Les lieux communs,
on passe dessus comme si on savait déjà ce qu'ils veulent dire. Au même titre que l'expression lieu commun elle-même. Est devenue un lieu commun. On oublie que c'est beau ce mot, lieu commun. C'est un endroit où on habite ensemble. Et nous les désertons bien vite. Mais ça demande un petit peu d'audace quand, je crois, un minimum, quand on essaye d'être écrivain et qu'on veut avoir un peu d'originalité, de sophistication, de s'emparer des lieux communs. Parce que ça nous rapproche de la banalité. Lieu commun, ça pourrait être un titre de poème, parce qu'il faut que je précise ça, c'est important. La plupart des poèmes de ce recueil possèdent un titre, à l'exception de courts poèmes qui sont écrits en blanc sur des pages noires. Alors, je pense que vous avez toutes, mesdames et messieurs, votre interprétation. Vous nous direz la vôtre, je ne sais pas. Vous n'interprétez pas, vous ne réfléchissez pas, donc vous ne direz pas. Mais noir. Si ça, c'était réfléchir. Ah, noir comme la nuit, le cafard, les touches d'un piano. J'ai pensé à la note de musique noire qui, effectivement, dure un temps contre deux pour la blanche, puisqu'ils sont très courts, je ne sais pas, que sais-je. J'en ai compté 13. Je ne sais pas si je me suis trompée ou pas. Ils sont bien 13. Parfait. Pourquoi est-ce que vous accordez une place et une couleur particulière à ces poèmes ? Parce que, premièrement, il ne répond pas au principe d'écriture automatique. Ah, voilà. C'est pour ça que je dis qu'il y a 98 poèmes minutes. Parce que si vous comptez, y a plus de 98 poèmes dans le recueil. Il y en a 98 plus 13. Et peut-être quelques autres. Ah oui ? Je ne dis pas tout. Oui, parce que... Je trouvais ça bien de laisser quelques énigmes pour les plus méticuleux comme vous. Mais aussi pour ne pas tout expliquer toujours. Non, non, on a bien compris. On va lire du coup à la place d'expliquer. Je suis sûre que je ne suis pas la seule dans cette salle à avoir une affection tout particulière. Vous verrez quand votre tour viendra de les lire, ces petits poèmes très courts sur la page noire. Ils sont donc très ramassés. Le premier d'entre eux compte 4 vers. Et il me plaît particulièrement. Alors, si vous voulez bien le lire, on sait qu'il n'y a que 4 vers à lire, remarquez, du coup. Ça facilite. Ah oui, c'est aussi un point commun de tous ces poèmes sur page noire. C'est qu'ils sont tous très courts. Ils sont très courts. Voilà. Donc, on pourrait penser, naturellement, que ce sont ceux qui répondent le plus simplement à l'écriture minute. Mais non. À l'écriture seconde, même. Mais non. Mais non. Moi, je vous lis celui-là. Va vers nulle part, l'horizon n'est pas loin. Va vers nulle part, tu connais le chemin. Merci. Il y en a un qui est encore plus court, c'est le deuxième. Je le lis si vous voulez bien. D'accord. Non, mais je le lis sur ma feuille, je l'ai noté. Tomber sur un os, un gisement. Il y a aussi certains poèmes sur deux... Il est bien court, hein. Il y a aussi certains poèmes... Moi, j'aime beaucoup celui-là, par exemple. Ouais, moi aussi, c'est pour ça que je le lis, remarquez. Je ne vais pas vous lire les 13. Mais en fait, non, mais ça répond même à ce qu'on se disait sur la routine. Oui, c'est une façon d'illustrer ce qu'on dit. Ouais. C'est bien. L'accident est un risque, mais... Alors, on peut tomber soit sur un os, soit sur un gisement. Et bah, du coup, c'est parfait qu'on parle d'os parce que j'en ai un autre. Un chien erre dans le quartier des affaires. Ouais. Je ne vous demande pas comment il vous est venu. Mais pour le coup, ça, je pourrais expliquer parce que ce n'est pas automatique. C'est plus des Il ressemble presque à un décasyllabe, sauf qu'il est sur deux lignes. Ça, je n'ai pas réfléchi. Non, bah, c'est pas que j'ai compté. Mais c'est, alors, certains qui... Il y en a qui sont empreints de facéties. Mais celui-là, par exemple, si on aime la grande cohérence, on va penser que le chien erre la nuit. Mm-hmm. Parce que certains n'aiment pas voir un chien errer. Alors que la nuit, il dort. Dans la journée d'activité. Voilà. Mm-hmm. Donc on accepte le chien errant que lorsque le business center est vide. Mm-hmm. Bon, c'est ce que certains ont vu. Mm-hmm. Moi, j'imagine plutôt ce moment saugrenu où justement tout le monde court dans un sens et sait où il va, ou croit savoir où il va, et puis il y a ce chien qui est comme un grain de sable dans la machine de l'habitude. Il y en a un qui est plein de facéties aussi, qui me plaît beaucoup. Dieu ne s'achète pas, louez-le. Il est bien celui-là, non ? Je ne vous demande pas comment faire, remarquez, je me fais plaisir. Donner à entendre un peu vos poèmes. Ouais. Et puis, il y a aussi toujours un poème noir, très court celui-là, « Au sommet se soumet ». Et un petit dernier pour la route, parce que je me suis dit que vous y penseriez, une fois que vous l'aurez lu, vous y penseriez à chaque fois que vous devriez régler une facture, et malheureusement, c'est assez fréquent. Veuillez joindre ce papillon à votre règlement. Oui, je remercie du coup les courriers du fisc. Non, mais les courriers administratifs, quoi. C'est comme l'idée du lieu commun. Il y a des moments comme ça où on n'y pense pas, et, et, la,
Et le poème dans la routine saute aux yeux et c'est des moments assez agréables où on cueille le papillon, notamment le lieu commun. Quand on voit ce qu'il est, on dit waouh, c'est beau. Mmh. Ou bien le diagnostic qu'on pose, ou je sais pas, l'eau courante. Ou les êtres qui sont chers. Les êtres chers chez vous, c'est C-H-A-I-R-S. Ça me plaît. Par exemple. Bien... Et alors le papillon, c'est marrant parce que. On prend son courrier et puis il y a vraiment un coupon très sérieux qui dit, et moi je l'ai édulcoré. Là je dis, veuillez joindre ce papillon à votre règlement. Mais dans les courriers administratifs, c'est joignez obligatoirement ce papillon détachable à votre règlement. Moi je vous laisse les choix quand même. On a parlé du sens que vous déviez de mille façons. Et puis il y a aussi le son. Je trouve que vous maîtrisez très bien l'art de l'allitération, donc je vous ai cherché une preuve pour que vous voyez bien que je m'appuie sur les vérités. Je vais me concentrer pour lire cette phrase. « La longue langue déroule ses baragouinages gris qui te bercent jusqu'au prochain horizon. » C'est beau. Donc j'avais envie de vous demander si vous écriviez à l'oreille aussi, même si c'est de manière automatique. Oui, ça je pense que c'est dû à ma pratique de la chanson. Mais... C'est vrai que parfois, vous me demandez est-ce que j'ai une idée de la forme avant de commencer ? Non, mais comme c'est quand même un peu une écriture orientée, parfois, c'est vrai, comme le pied du lit, je me dis, là, je vais plutôt me laisser emporter par le plaisir du son. Où il y a un poème qui s'appelle « À Bobin », que j'ai écrit quelques jours après son départ de ce monde. On pourrait dire, mais c'est pas possible, parce que tu écris un hommage à Bobin, mais alors, c'est pas automatique. Bon, bah juste quand je me suis assis à ma table, je me suis dit, pense à Bobin. Bah, vous trichez un peu quand même, alors. Oui, mais ce qui est bien, c'est que la règle, il faut la tordre un peu. Bah, bien sûr, les règles sont faites pour être transgressées, c'est certain. C'est pour ça qu'il n'y a pas que des poèmes minutes dans ce livre. En tout cas, il y a de la joie dans votre recueil. Moi, c'est pour ça qu'il me plaît. Elle inonde votre recueil, la joie. Il y a ce poème, alors il est noir aussi, celui-là, très beau, dans lequel vous affirmez... Tu as peur de la joie et la joie dénude. Car la joie dénude. Il y a aussi cet autre poème, c'est page 93, qui est intitulé « Chercher la joie ». Et c'est un des rares poèmes composés à la fois sur le recto et sur le verso de la page. Alors je me suis demandé, puisque j'essayais de chercher un point commun entre l'écriture de la chanson et l'écriture du poème, si au fond ce ne serait pas ça qui les rassemblerait, d'aller chercher la joie. Oh wow. Je serais mentir de dire oui, parce que j'ai écrit beaucoup de chansons tristes. Oui, mais elles peuvent procurer de la joie quand bien même elles sont tristes, non ? Non. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai que là... Non, c'est parce qu'on vous le dit, je le réalise. Parce que moi-même, j'aime beaucoup les chansons très tristes. Alors, je pourrais m'inquiéter. Alors, j'aime me complaire d'une certaine tristesse, mais non. Reconnaître sa tristesse comme étant partagée par d'autres ou nommée, ça fait du bien, quoi. Bah oui, c'est ça, pour ça que je vous dis. Est-ce déjà de la joie, je sais pas. Bon, c'est un bon début, en tout cas. Ouais. Tout à l'heure, vous nous parliez de Baudelaire. Et vous aviez cité Baudelaire dans les poètes qui ont pu un petit peu comme ça vous nourrir. Et c'est vrai que l'ombre de Baudelaire plane sur certains de vos textes, peut-être de manière automatique ou de manière cachée. Et je ne suis sans doute pas la seule à avoir pensé au poème Recueillement. Vous savez, c'est celui qui débute par « Sois sage, ô ma douleur, donne-moi la main et tiens-toi plus tranquille ». Alors celui-là, j'y ai pensé quand vous invitez à promener sa peine en plein jour avec délicatesse. Et puis, il y a aussi Mosta et Terambunda quand vous nous exhortez à fuir et à partir dans au moment précis où la clairière est calme. C'est ainsi que s'intitule ce poème. Puis il y en a d'autres qui penseront peut-être à Apollinaire et à son poème « À Lou » en lisant « Oh, je n'ai pas prévu de vous le lire, mais ça serait bien de le lire ». C'est un poème très beau sur l'amour qui s'appelle « Une chanson », mais comme je n'ai pas prévu, j'improvise. il faut que je cherche dans la... Ah, je l'évite, c'est bien, page 205. Parce que quand même bien d'essayer de montrer que ce que je dis semble vrai. Donc vous verrez, ce poème, il est très beau et il peut aussi faire penser à plein d'incidences de poètes, de poèmes. Allez-y. Ça s'appelle Une chanson. Oui. Ça ne fera pas une chanson, mais un collier pour ma femme et des pierres chaudes sur ses paupières quand elle dort. Ça ne fera pas un poème, mais un papier caché dans sa poche quand elle ira au travail avec écrit dessus « Je t'aime ». Ça ne fera pas une chanson, mais la joie de ses voûtes plantaires quand elle rentrera à la maison.
Merci. Moi, ça me fait penser à Apollinaire, ce poème-là. C'est parce qu'il, il ose dire « je t'aime ». J'aime, je t'aime. C'est dur à dire. Hein. C'est dur à écrire. Hein. C'est peut-être les deux mots, les deux, trois mots les plus durs à oser écrire dans un recueil de poèmes. Je t'aime. C'est pour ça que je vous l'ai fait lire, Marc. Bon, le temps file, hélas. Alors, déjà. Ouais. Avant de nous quitter, pour conclure cette soirée et vous remercier toutes et tous, et puis vous donner une idée, j'aimerais vous lire quelques lignes extraites, du poème du Troubadour. Ça se lit parfaitement avec ce qu'on a dit précédemment. Remarquez, j'avais pas réalisé. Je mets un peu de temps à le trouver, c'est mal. Donc, il s'appelle « Avec le Troubadour ». Saviez-vous qu'applaudir est très, très bon pour la santé ? L'immobilisme et l'inactivité sont les causes principales d'une mort certaine. Si vous voulez survivre, applaudissez. Je crois qu'on pourrait applaudir Arthur Teboul, c'est ça. Merci. Je crois que vous avez tellement. Merci beaucoup. Oui. Je crois que vous avez tellement bien applaudi que peut-être ça serait pas fini tellement vous avez bien applaudi, tellement on va survivre tellement ils ont bien applaudi. Ressuscitons. Ressuscitons. oui, donc je voudrais en profiter, voilà, tous ensemble maintenant, parce qu'on a beaucoup parlé du poème minute pour en écrire un en votre présence. Ah, c'est chouette ça. Voilà. Je dois détourner les yeux. Non, ça va, ça va. Oui, enfin. Je vais vous servir de l'eau pendant ça. Et en fait. Comme on est là sur une très belle scène et tout, je me suis dit que ce serait sympa cette fois-ci de l'écrire en musique. Donc je vous demande d'applaudir à nouveau pour le merveilleux Aki Mamadouche. On m'entend ? Alors je vous présente Aki Mamadouche, joueur de mandolute merveilleux, grand poète lui-même. Et donc pendant que Aki va jouer pour vous, pour nous, je vais écrire un poème comme il vient. Ce sera notre poème à tous. Et le temps de l'écriture, je ne vous invite pas à détourner les yeux parce que d'ici, vous ne voyez rien. Voilà. Alors, je vais laisser Hakim commencer et puis je vais écrire. Et quand j'aurai fini, Hakim, je te ferai un signe. Thank you.
Alors je vais... C'était beau. Je vais vous lire le poème du coup. Et étrangement, je trouve qu'il n'a pas tant de liens. Ça, c'est vous qui déciderez. Alors on vous écoute. Au sortir du grand tunnel invertébré qui nous excitait tant, nous n'avons pas été frappés par la lumière qu'on espérait. Ce n'était pas un problème. La délivrance, toute proportion gardée, ressemblait quand même à l'idée qu'on s'en était faite. Une longue bande de terre bien agencée et des arbres dans le lointain. Il restait du chemin à faire. De quoi discuter encore longtemps de la pluie, du beau temps, des coucous qui traversent sans égard le ciel inattendu qui nous grossit le front. On a le temps et de quoi recommencer à échafauder une nouvelle destination à atteindre. On aperçoit maintenant une montagne bien assise qu'on montre du doigt. On ne sait pas si on aura l'occasion de s'asseoir quelque part sur son flanc. Dans la nouvelle zone autoroutière où nous sommes désormais, il n'y a plus de sandwich triangle. On se contentera de la plus pure lumière et des provocations. Ça fait déjà beaucoup. Merci Arthur Teboul. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Et peut-être même que les applaudissements vont vous faire chanter. Ça oui. Vaut le coup d'applaudir, en fait. Oui, du coup, j'ai profité de la présence d'Hakim pour vous jouer quelques morceaux ensemble. Dès que ça pouvait être sympa de... Ils ont l'air d'accord. Ouais. De finir la soirée comme ça, quoi. Donc, je le rejoins. Merci beaucoup. Merci. Tout est affaire de décor, changer de lit, changer de corps. À quoi bon puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis, moi qui me traîne et m'éparpille, et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles où j'ai cru trouver un pays. Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd, le temps de rêver est bien court. Que faut-il faire de mes jours? Que faut-il faire de mes nuits? Je n'avais amour ni demeure, nulle part où je vis ou meurs. Je passais comme la rumeur, je m'endormais comme le bruit. Est-ce ainsi que les âmes vivent? Et leurs baisers au loin les suivent? C'était un temps déraisonnable, on avait mis les morts à table, on faisait des châteaux de sable, on prenait les loups pour des chiens, tout changeait de pôle et d'épaule, la pièce était-elle ou non drôle, moi si j'y tenais mal mon rôle, c'était de n'y comprendre rien. Est-ce ainsi que les hommes vivent, et leurs baisers au loin les suivent? Dans le quartier Hohenzollern, entre la Sarre et les casernes, comme les fleurs de la luzerne, fleurissaient les seins de Lola. Elle avait un cœur d'hirondelle sur le canapé du bordel. Je venais m'allonger près d'elle dans les hoquets du pianola. Le ciel était gris de nuages, il y volait des oies sauvages qui criaient la mort au passage au-dessus des maisons des quais. Je les voyais par la fenêtre, leur chant triste entrait dans mon être et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke.
Est-ce ainsi que les hommes vivent, que leurs baisers au loin les suivent? Elle était brune et pourtant blanche, ses cheveux tombaient sur ses hanches, et la semaine et le dimanche, elle offrait à tous ses bras nus. Elle avait des yeux de faïence et travaillait avec vaillance pour un artilleur de Mayence qui n'en est jamais revenu. Il est d'autres soldats en ville et la nuit monte les civils. Remets du rimel à tes cils, Lola qui t'en ira bientôt. Encore un verre de liqueur, ce fut en avril à 5 heures, au petit jour que dans ton cœur un dragon plongea son couteau. Est-ce ainsi que les hommes vivent, et leurs baisers au loin les suivent, comme des soleils Merci. On est bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore je suis né, baptisé de rosée, je me suis épanoui, heureuse et amoureuse. Au rayon du soleil me suis fermé la nuit, me suis réveillé vieille. Pourtant j'étais très belle, oui j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On est bien peu de choses, et mon amie la rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête, et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe, déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier, et je serai poussière pour toujours demain. De choses, et mon amie la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon amie. Moi en rêve j'ai vu, éblouissante et nue, son âme qui dansait bien au-delà des nues et qui me souriait. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. Bien si peu de choses, c'est mon ami la rose qui l'a dit
hier matin. C'est mon ami la rose qui l'a dit hier matin. Merci. Merci. La dernière, ok? Non? C'est mal. Merci beaucoup. Et maintenant, on s'est retrouvé tout à l'heure avec Hakim. On ne savait pas trop ce qu'on allait jouer. On a répété un peu. Et Hakim revenait du sud de la France, où il était allé rendre hommage à un ami parti, un ami poète. Et il m'a dit, regarde, il y a ce très beau poème qu'il a écrit lui-même, Philippe. C'est Philippe Forcioli. Et donc, on a décidé de faire quelque chose qui mélange ce qui est venu. Voilà. Donc ce sera cette chanson. Et après, on se retrouvera à la buvette. Et... Je précise que ça commence par un petit extrait de musique arabo-andalouse très ancien et qui parle d'un jardin qui grandit. Et voilà, j'ai pensé à la chanson de Philippe et puis cette chanson qu'il aimait tant. Voilà, et donc on a essayé de mélanger les deux. Sur des luzernes qui n'auraient pas de fin, ni de commencement, s'enfuir de la caserne, voguer au firmament d'étoiles et d'orphins. La lune est bien trop belle, si tant qu'on ne la voit. J'imagine un ballon de violine grêle piqué d'un gros frelon et qui flotte sur moi. Idaya
aller fleurir les tombes, les oiseaux du printemps, les oiseaux du château tombés aux hécatombes. Allez, passe, râteau, allez, griffe le temps. C'est l'harmonie du rêve qui guide tous mes pas. Je peux aller furtif aux enfers dans la sève d'une vie ou d'un if. Mon rêve ne meurt pas. Tristesse, j'en ai fait un bijou, de larmes ciselées, dédiées à mon Altesse. Je suis roi sans palais d'or, c'est ma vie. J'y joue. C'est ma vie. Merci. Un immense merci à Kim Amadous. Un grand merci à Amélie Cordonnier aussi. Merci à vous d'être venus. Merci beaucoup.